Salut, c'est Vic Verdier. J'ai écrit L'appartement du clown, un roman publié chez XYZ. Aujourd'hui, j'ai envie de parler du début, c'est-à-dire de ce qu'est l'appartement du clown. Eh bien, L'appartement du clown est un roman qui parle de Vic Verdier. Vic Verdier, le personnage, qui, à 25 ans, décide de quitter Copine. On est le 10 septembre. Et puis, le lendemain, avec le 11 septembre 2001, tu t'en doutes, tout s'écroule. Puis, il a l'impression que tout autour de lui commence à déraper aussi. Ses amis ont des idées complètement débiles qu'il pensait jamais que ces gens-là auraient. On dirait que ses relations avec les femmes sont de plus en plus difficiles ou au moins compliquées. Et puis, il emménage pour se refaire dans l'appartement d'un clown qui se trouve à être le voisin de ses deux meilleurs amis. Alors, ce creuset-là devient pour lui une espèce de moment de passage. Et c'est ce passage-là dans l'appartement du clown que je raconte dans l'histoire de Vic Verdier, en plein cœur du Mile End. Donc, quelque chose d'urbain et puis de masculin, probablement. Alors, je te souhaite de passer un bon moment de lecture avec l'appartement du clown. Et puis, je te dis à la prochaine.